Chahi, putain. Oh. Encore. Ah, oh, il est trop beau. Yes. Putain. Pff, n'importe quoi. Alors, c'est le 55. Non, je coupe la vidéo et je reviens. Bonsoir tout le monde, nous sommes le 27 juin 2014, il est 22h55, 56 maintenant, comme par hasard. Et je vais vous présenter mon 132e Shiny ce soir. Alors ce Shiny, je l'ai longtemps attendu, puisque je l'ai chassé plusieurs fois par rencontre. Notamment sur ma version platine, où j'étais tombée sur deux Roselia coup sur coup. Donc cette fois j'ai décidé, vu que je suis dans ma période casino, de résider ce shiny là au casino, enfin ce Pokémon là au casino. Et donc voilà, je suis très très heureuse de l'avoir trouvé ce soir après quand même un chiffre plus qu'élevé, enfin sur ma version rouge, donc on va dire qu'elle a toujours des gros chiffres, à part pour Evoli où j'étais dans les 5000 à peu près. Elle a toujours dépassé les 10 000, sinon voire les 15 000 même, carrément. J'ai même dépassé les 30 000 et les 20 000, et là je suis juste sous la barre des 20 000. Donc je suis exactement à 18 455 resets pour ce Pokémon là. C'est vraiment trop cool. Je vous le montre. Toc. Voilà, c'est un sécateur shiny. C'est une femelle. Et elle est trop belle. Ouais. Trop cool. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente parce que ce shiny là, je l'ai longtemps attendu, comme je vous le disais. Donc j'étais tombée sur deux Roselia sur platine. Après, quand même des chiffres assez élevés aussi. Donc. En tout, j'aurais fait beaucoup de rencontres pour trouver cet insécateur. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. J'ai trouvé Abra hier. Donc là, je suis vraiment très très gâtée par les dieux de la frame shiny. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que ça m'arrive au mois de juin. Puisque j'ai trouvé coup sur coup, comment il s'appelle, Mini Draco et puis Nanupio le lendemain. Et là, ça me fait pareil, Abra et aujourd'hui insécateur. Voilà, je suis vraiment très très heureuse. C'est le 7e shiny, je crois, du mois de juin. C'est un mois vraiment trop prolifique. C'est un truc de fou. Pour dire que j'avais des chiffres assez élevés, et puis j'ai réussi à trouver des shiny très rapidement avec des petits chiffres en 2000, donc 2000 et quelques. Donc franchement, c'est trop cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai déjà son surnom en tête, je vais le renommer. À votre présence. Hop. Oh, ça correspondait mieux à un mâle, ce surnom, mais de toute manière, ça va très bien pour moi, Cesiaiox, donc même si c'est une femelle, c'est pas grave du tout. Donc, on se retrouve à l'avant-ville. Attendez, je mets du son. Parce que ce son est trop génial. Voilà, donc c'est pas période casino en ce moment. Je suis sur les Evoli aussi, sur AGSS. Bon, je pense que je resterai pas non plus des masses là. Je sais que je referai un jour Mini Draco, puisque donc je vous tiens au courant, j'ai fait évoluer Mini Draco en Dracolos. J'y retournerai donc sans doute pour avoir Draco, parce que Draco c'est mon préféré de la famille. Donc voilà, j'y retournerai pour lui, mais ça sera pas tout de suite de toute manière. Là, je vais peut-être basculer sur une recherche par pêche, je suis pas sûre encore. Peut-être sur cette version rouge-feu.
Autrement, si je fais pas cette recherche par pêche, je ferai Bulbizarre. Je resetterai ma version rouge feu, et j'attaquerai Bulbizarre. Je vais voir ce que je fais, rien n'est décidé, donc voilà, je l'appelle Sécosse. Oh, ça va pas mal un Pokémon ici. C'est une femelle, mais bon, pas là. Ouais, c'est cool. C'est dommage parce que je voulais voir ses IV tout de suite après l'avoir trouvé. Parce qu'avec sa nature, je me suis dit bof bof la nature. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était au niveau des IV, mais là le site Pokébi bug, je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard quoi. Quand le jour où je trouve un sécateur, le site Pokébi il bug. Donc quoi, j'ai vraiment pas de chance. Voilà, 500 internal server hero. Ouais, génial. Pas grave, j'irai sur un autre site. Alors, où pourrais-je aller pour vous montrer cet insécateur avec ses petites étoiles? Je reste dans le coin. Ah. C'était par là. Et si on pêchait? Et si on pêchait? Par contre, je vais pas pêcher là. Alors, attendez, est-ce que j'ai la canne qu'il faut? Je suis pas sûre d'avoir la canne. Avec une canne, mais c'est la méga canne, donc je pense pas grave. Je vais pêcher à la canne, mais en fait, je vous mets sur le Magikarp. Mais c'est pas grave. Ouais, bravo. Ah, mais je laisse au carnage en tête d'équipe. Désolé. Je la change tout de suite. C'est l'émotion je pense. Voilà, j'ai peur, n'y voyait plus rien. Je vais y arriver quand même, allez. Allez. Ça trotte. T'as les points de pomme blanc. Hein. Ah, je crois que c'est une trace de calcaire parce que Mimi, j'ai à nouveau reseté. Ben, je resetais un sécateur d'ailleurs à Mimi. Attention. Oh! Ah ouais! Pouah! Il est trop beau, il est super foncé avec des trucs rouges. Yes, c'est trop beau! Et donc, ben, je me suis pris l'arrosage automatique sur la console, c'est pour ça qu'il y a une petite trace blanche de calcaire en fait. Parce qu'il y a beaucoup de calcaire. Dans l'eau ici. Oh, il est trop beau. Moi, voilà, je veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'après c'est long à upload. Donc, je vous dis à tous bon courage à vous dans vos recherches et à bientôt pour un nouveau chaîne. Allez, ciao.